Et hey, yo les gars, j'espère que vous allez bien les frérots. Du coup aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est sur AFK Journée. Et bon, petite vidéo de chill, histoire de vous montrer tous les codes. Parce que là, il y a eu pas mal de codes qui sont sortis ces 2-3 derniers jours. En plus, il y a un questionnaire aussi qui vous donnera 1000 diamants. Donc pensez bien à le faire, c'est pour ça que je le fais, au moins tout le monde est au courant. Comme ça, il n'y a pas de personnes qui pourront dire qu'ils ne l'ont pas fait. Donc les codes, attendez, je vais vous montrer les codes, en vrai ce sera plus simple. Après on fera le questionnaire tranquillement. Les codes les gars, comme d'hab, vous avez dans autre, ici, code promo. Du coup, il y a eu pas mal de nouveaux codes qui sont sortis depuis le 31. Donc le premier code, c'est celui-là. Donc AFK Journée Josh Dub. Voilà, ça c'est le premier code. Tous les codes donnent à peu près 100 ou 200 diamants. Voilà, donc franchement, faites-les les gars, ça vous donne une multi en tout. Ça vous donne une multi, voire un peu plus. Donc, bon, c'est toujours ça à prendre. Hein. Le deuxième code, AFK Journée Jianao. Voilà. Ensuite, le prochain, AFK Journée PG0. Voilà, pas PGO, c'est PG0 normalement. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, le prochain AFK Journée Rug. Voilà, donc eux, ils sont sortis aujourd'hui hier. Hein. Ok. Suite après, AFK Journée Special Dead. Avec un S majuscule et à la fin, il y a 2D. Voilà. Même si je crois que les majuscules, ça change pas grand chose. Je suis pas sûr. Mais bon, en fait, comme c'est écrit, au moins c'est plus simple. AFK Journée LJGIO. Voilà, LJGIO en majuscule. Encore après, et ils en donnent beaucoup des codes les gars, franchement dinguerie. Hein. AFK Journée HI, en majuscule, le H et le I. Et le dernier qui est sorti tout à l'heure, AFK Journée Preston. Quoique non, lui je crois qu'il est sorti hier ou avant-hier. Mais voilà, lui aussi c'est un nouveau. Si vous rentrez tout ça, franchement, vous avez déjà au moins 1000 ou 1500 diamants, si je dis pas de conneries. Après, s'il y a des anciens codes que vous avez ratés, là les gars, vous allez sur Discord, dans AFK Journée, message épinglé. Et là, vous avez tous les codes ici là, qui sont sortis. Tous les jours, il y en a des nouveaux, ils sont mis ici. Et au moins, vous les aurez tous, ok? Voilà. Ensuite, du coup, on a un questionnaire, enquête. Veuillez toucher ici. Vas-y, je touche. Ok, ça vaut une page Google. Enquête sur la qualité linguistique. Ok, attends, on va zoomer, par contre. Attends, c'est peut-être un peu trop zoomé. Ok. Merci de participer à notre enquête. Ok. Laquelle de ces affirmations décrit le mieux la qualité linguistique de ce jeu? Les textes sont bien écrits. Alors ça, je t'avoue que... je lis pas du tout l'histoire. on va dire, en vrai, je vais répondre sérieux, mais il y a de nombreuses erreurs de grammaire, j'ai arrêté le jeu à cause de mauvaise qualité. Non, en vrai, je pense que les textes sont mal écrits. Hein. Du peu que j'ai vu, ça avait l'air pas mal, tu vois. Merci de donner votre appréciation sur la qualité linguistique globale du jeu. Bah, franchement, ça va, tu vois. En vrai, je mets pas très satisfaisante. Enfin, vas-y, je mets pas très satisfaisante histoire de casser les couilles, tu vois. Mais il y a 2-3 fois, tu sais, des fois où c'est écrit en chinois. Je sais pas si vous avez. Si vous avez vu aussi, il y a des quêtes secondaires des fois ou des textes qui sont écrits en chinois japonais. Voilà, c'est vraiment pour ça. Même si j'y lis pas, c'est vraiment histoire de dire que je mets pas au max quoi. Mais franchement, le jeu est pas mal. Dans la version actuelle du jeu, à quelle fréquence avez-vous rencontré les problèmes d'affichage suivants? Présence d'autres langues. Ah bah voilà, doublage excepté. Bah voilà, j'en parlais les gars. Franchement, vas-y 5 à 10 fois, tu vois, histoire de dire. Parce que je crois qu'à un moment, il y a une quête secondaire, elle est full chinois, il y a plein de textes en chinois et tout. Texte trop long, le texte dépasse les limites, ça j'ai jamais vu. Texte ne s'affiche pas ou seulement partiellement, ça pareil, jamais vu. Saut de ligne incorrect, ça je t'avoue jamais lu. Bon, en même temps, je lis pas l'histoire, donc j'ai pas vu grand chose. Dans laquelle de ces parties du jeu avez-vous rencontré le plus de problèmes d'affichage? En vrai, ça m'arrive sur le téléphone, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi les gars. Sur PC du coup j'ai aucun souci, ça marche nickel avec la vraie version PC. Mais sur téléphone, c'est vrai que la map... des fois, il y a, je sais pas, les grillagés un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est un peu grillagée, un peu grise d'un coup. Et on voit que mon perso et tout le reste, c'est un peu flou, grillagé, c'est trop bizarre. Mais contenu commercial, quête. Ouais, je vais mettre quête, je sais pas trop où c'est. Comment qualifiez-vous votre expérience de jeu des différentes histoires du jeu? J'ai passé toutes les histoires, je vais mettre la vérité malheureusement. Si je me mets à lire toutes les histoires, les gars, ben là je serai encore level 5. Mais je pense que l'histoire en vrai elle doit être pas mal. Hein. L'histoire a l'air vraiment pas mal par contre sur le jeu, tu vois. Je pense que c'est une des forces du jeu aussi. Comment trouvez-vous la qualité des voix dans le jeu? Franchement, ça va, tu vois. Quel aspect de voix appréciez-vous? Les dialogues sont intéressants, les voix du personnage correspondent à leur caractère. Vas-y, on va donner de la force aux doubleurs, tu vois. En vrai, les doubleurs. Trouvez-vous les voix de certains héros exceptionnels? Pas de vous. Ouais, vas-y, on va mettre... c'est qui mon perso préféré? On va mettre... vas-y, c'est sûr, je sais pas du tout. C'est pas du tout mon perso préféré, mais bon. Trouvez-vous des voix de certains héros mauvaises? Franchement, non. Ah, je les aime toutes.
Avez-vous des suggestions pour améliorer le jeu texte? Ah, okay. Ah oui, mais en fait, c'est un questionnaire que sur le texte et les voix, d'accord. Moi, je pensais que c'était un questionnaire sur tout le jeu, en fait, tu sais, si on aime bien les modes qui manquent et tout. Mais pas du tout. Pas du tout, ok. Texte, voix, ou... Ah, gameplay, ok, il parle du gameplay aussi. Ok, donc on peut parler du gameplay. En vrai, qu'est-ce qu'il y a qui va pas dans le gameplay, les gars, du jeu? En vrai, dites-moi dans les commentaires ce que... Genre, les défauts que vous trouvez au jeu. En vrai, en termes de gameplay, tu vois. Enfin, les gros défauts que vous trouvez au jeu, les gars. Parce que ça m'intéresse, parce que franchement, le jeu est vraiment bien. Le jeu, pour une fois, tu vois, c'est vraiment un jeu quali, tu vois. En termes de gameplay... Ouais, je sais pas, hein, y a rien. Hein. J'ai créé Masterclass, franchement, j'ai créé Masterclass parce que j'ai aucune idée pour l'instant, mais... Après, le jeu est bien en lui-même, tu vois. Sur là, je termine, merci pour vos trucs. Ok, et là, normalement... On reçoit 1000 diamants aussi. Ah voilà, récompense de l'enquête. Donc là on a 1000 diamants. Hop, donne-moi ça. Et comme ça on peut aller invoquer. Comme ça on peut aller faire, hein, on peut aller faire des invocations. Pas dropper de smoker, comme d'hab. Est-ce que j'ai assez? J'ai pas assez. Et je m'en fous, je fais une petite gueule, rien à foutre. De toute façon, toujours pas de smoker. Hein. Pitié de moi, un petit smoker, non? Un petit smoker? S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'en ai marre de choper ces putains de souris là. Ah non, c'est des écureuils. Ok, c'est des écureuils. Ok, bon rip. Bon voilà, normalement, si vous faites tout ça, les gars, vous aurez des diamants. Puis normalement, je pense que vous aurez à peu près quoi, 2000, 3000. Ouais, même plus, en vrai, 3000 ou 4000 diamants, je pense. Si vous vous trompez pas. Et normalement, si vous avez rentré. J'espère que vous avez rentré les codes d'avant aussi. Les codes d'avant, les gars, bon, de toute façon, ils sont tous sur Discord. Hein. Après, c'est vrai que je les ai jamais montrés en vidéo. Mais par exemple, bon, si vous voulez faire plus simple, les gars, les codes d'avant, c'est celui-là, AFK Journée, Nougla, voilà. Eux, ils sont sortis le 30-03. Ils sont sortis il y a 3 jours. Donc, AFK Journée, MSA. Ensuite, AFK Journée, CMK. Voilà, tout cela, ils donnent tous 100 diamants, les gars. Hein. AFK Journée, TGT, parce que c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui n'ont pas Discord encore. Donc vas-y, regardez. AFK Journée, Viva. Voilà, comme ça, bon, je vous donne vraiment tout, les gars. Même ceux qui n'ont pas Discord, vous les aurez. AFK Journée, DE. Il n'y en a pas un que j'ai jamais rentré, en vrai. Je les ai tous rentrés. Ok. AFK Journée, Carbo. AFK Journée, Squeezie. AFK Journée, Zani. Et je crois qu'après, ceux qui sont avant, je les ai montrés dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Si je dis pas de conneries. Pareil, pensez bien, les gars. Pensez bien à rejoindre... ici là, non, dans communauté, si vous cliquez sur un des liens ici, vous allez recevoir des diamants. Donc pensez à cliquer, je sais pas, soit sur Discord, soit sur YouTube. Juste vous cliquez, les gars, vous cliquez sur abonner, vous vous désabonnez au pire directement après. Et comme ça, vous aurez quand même les diamants en jeu, ok? Comme ça, au moins, vous êtes bien. Vous avez plein de diamants là. Là, normalement, franchement, vous avez au moins une ou deux multi. Voilà. Donc vous me direz ce que vous avez droppé. Est-ce que vous avez droppé un bon perso ou pas? mais voilà, bon, c'était vraiment une petite vidéo rapide, les gars. Au moins, vous avez tous les codes, vous avez le formulaire, vous avez tout. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement. On se donne rendez-vous pour le prochain live ou la prochaine vidéo, les frérots. Et ciao!